moderne blikk så er det sikkert det var en mode å se eksotikk qui se présente dans ses livres i disse bøkene. Tout se passe sur une île où il n'y a qu'une seule famille qui habite. Og hele toute l'histoire est vue avec les yeux d'une petite fille. Liten jente. Og det er hennes beskrivelser og tanker. Ce sont les réflexions de cette petite fille sur le lot des gens qui vivent dans la solitude et dans la pauvreté. C'est un roman historique. Meroy trouve que c'est assez inutile d'écrire des romans historiques. Il se donne comme des romans historiques, mais ce sont des histoires contemporaines. L'histoire norvégienne à cette époque-là, c'est aussi l'histoire du monde. Tout à coup, cette petite île isolée devient une partie des événements du monde. C'est un titre très inspirant parce qu'il va au cœur de ce que la littérature moderne s'est communiquée à travers les frontières nationales. Pour trouver une réponse à la question « qu'est-ce qui nous sépare et qu'est-ce qui nous unit ?»